me suis fondu dans la foule, comme on se fond dans la nuit. Rapidement, en silence. Quand les gens me saluent, il y a toujours un froid, une distance, comme un rideau de fer qui tombe. On se salue entre nous de la même manière qu'on gribouille. Rapidement, sans porter attention. On se dit « Salut, ça va? » « Salut, ça va? » Sans vraiment entendre de réponse. Je sais que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand mes grands-parents étaient jeunes, les voisins demandaient des nouvelles de la famille, avec intérêt. Ça a débuté un peu avant la guerre froide, à l'industrialisation. Bosser était devenu une chose primordiale. Les gens ont déserté l'église parce qu'ils ne se reconnaissaient plus. L'église avait perdu son visage humain, son pouvoir rassembleur. Chacun s'est mis à faire ses choses de son côté. Après est venue la guerre que les Occidentaux ont menée contre le communisme en était une contre la collectivité. Ils croyaient pouvoir atteindre l'égalité par la liberté. Et maintenant, deux générations plus tard, on est forcé d'admettre leur victoire. Nous sommes tous égaux dans notre solitude. La guerre froide s'est terminée, comme elle a commencé, dans un certain silence. Maintenant, les gouvernements privatisent, au diable bien public. La politique, au même titre que la religion, avait anciennement le but de rassembler, le souci d'unité. Maintenant, les institutions font l'éloge de la différence. C'est le culte de la différenciation. Kundera racontait que si on regarde chaque visage individuellement, on ne voit que leurs différences, mais que si on en met mille l'un à côté de l'autre, on n'y verra que des similarités, que des ressemblances. Le monde a en ce sens rétrogradé. On regarde chaque visage individuellement, on le scrute pour bien vérifier qu'il ne ressemble en rien, comme si l'humanité elle-même s'était perdue à quelque part. On n'a plus d'idoles, plus d'idéaux, plus personne au-dessus de notre tête. On se sent unique, indépendant, autosuffisant, seul. Aussitôt qu'on s'adresse à un étranger, il prend peur, comme si par la parole on violait son petit monde bien calfeutré. On n'a qu'à se regarder soi-même. On entre dans l'autobus, on trouve la place la plus isolée, la plus loin de tout homme qui vit. On s'y rue, s'y assied, on se met de la musique, on lit un livre, ou on fuit simplement les regards. Le sentiment de toujours être seul, ça fatigue, fait que chaque soir je rentre chez nous un peu plus crevé puis vidé que la veille. Je mange, je me brosse les dents, puis je rêve qu'il y a encore quelqu'un qui m'écoute. Je me pose devant le miroir de la cuisine, je prends un somnifère puis bonne nuit. Peut-être que demain, je serai un peu moins seul. J'ai grandi dans un monde d'individus tout seul, où tu débrouilles comme tu peux. J'ai vécu le rejet, puis j'ai compris. J'ai compris que tout seul, on n'arrive à rien. J'ai compris que c'est pas des messieurs en costume à 1000$ qui vont m'aider à me sortir de la merde. Pourquoi aider ton prochain si ça t'apporte rien? S'il n'y a pas une crise de scène à faire avec ça, ça suit pas la logique actuelle. C'est dans les shows que j'ai découvert ce que c'était le sentiment d'appartenance. Quand t'es au cœur de la foule, tu fais partie de quelque chose. C'est l'union des masses, comme il y avait avant en politique. L'appartenance, c'est de quoi que même les grosses pièces peuvent pas se payer. Probablement même que plus t'as de cash, plus t'es tout seul. Vu de même, je préfère encore être pauvre. Si les gens se sentent si divisés, c'est pour ça. Le cash, le dieu de l'or, abolition des classes sociales, mon cul. Y'a eux pis y'a nous. Ça se griffe, ça se lance des lacrymos pis des bouts de pavé. C'est le système de valeurs qui est malade. Il n'y a pas si longtemps, ce qui comptait, c'était la famille, la santé, notre salut. Maintenant, ce qui compte, c'est l'épanouissement personnel, le capital que tu possèdes, puis c'est ta couleur de soulier fit avec ta sacoche. Au lieu de se demander ce que tu préfères pour la société, tu te demandes quel set de salon reflète ta personnalité, quelle couleur match bien avec ta tabac à joues, puis quelle banque représente tes valeurs. Comme si on avait de quoi à crisser. On court après le rêve américain, peu importe qu'il faut écraser pour... Puis après ça, l'élite se demande pourquoi les taux de suicide puis de dépression sont si hauts ici. C'est parce qu'on crache sur l'union, ses syndicats, ses rassemblements, ses manifestations, puis on se prosterne devant nos différences, on se compète dans la médiocrité de notre nombril. Ils auront beau dire ce qu'ils veulent, mais on a tous besoin de s'accrocher à de quoi. Comme les Hells, les Juifs acidiques, les punks, les gangs de rue. On a besoin de se sentir proche des gens encore, de sentir qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui nous apprécie pour qui on est, pas pour ce qu'on peut lui apporter. Les gens sont même pas foutus de donner un peu de temps pour les autres pour faire du bénévolat. Au milieu du
du tableau, il y a toi, il y a moi, seul à espérer un monde meilleur, puis on y pense comme s'il était déjà trop tard. Mais le monfoutisme généralisé ne peut pas toujours durer, il n'y a rien qui dure toujours. Fait que ce qui nous reste à nous demander, c'est si on va rester chacun de notre bord jusqu'à sombrer, ou si on va faire l'effort, pour une fois, de se regarder dans les yeux et de voir qu'on n'est pas si différents, même jusqu'à notre tripes, frères, dans notre solitude.